Bonjour, bonjour, bonsoir, frères et sœurs, bonjour et bonsoir à ceux qui nous suivent d'ici et là. Que le Seigneur Yeshua soit glorifié pour notre vie, pour la santé qu'il nous donne, l'amour qu'il nous donne, la paix qu'il nous donne, l'espérance qu'il nous donne. Et en ce jour, j'aimerais nous encourager, j'aimerais, par la grâce du Seigneur, partager quelques paroles, quelques versets qui vont nous encourager, qui vont m'encourager. Voilà, c'est toujours bon de partager la parole du Seigneur, c'est toujours bon de se fortifier les uns les autres. Et à travers ce message, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous donne encore de, voilà, son espérance. Car c'est vrai que actuellement, plein de choses se passent dans les nations. On crie au retour du Seigneur. Nous espérons qu'il revienne très vite nous chercher. Voilà, parce que plus le temps passe, plus on se sent, voilà, comme pas chez nous en fait. On n'est pas chez nous. Et la parole le dit que nous sommes des voyageurs sur la terre. Et plus le temps passe, plus nous devenons un sujet de moquerie, un sujet de, voilà, même de haine, voilà. C'est comme si de plus en plus les adorateurs du Seigneur sont haïs, sont détestés, sont traités de tous les noms. Et plus le temps passe, ben c'est ce qui arrive, c'est ce qui se passe. Et par la grâce du Seigneur, j'aimerais nous encourager, car le Seigneur est fidèle. Nous servons un grand roi, un grand Seigneur, il est vivant. Il voit toutes choses, il est patient, il est éternel. Et sa patience, voilà, va bientôt se terminer. Il revient nous chercher, le Seigneur. Alléluia. Il est glorieux. Il est digne de gloire. Que ferions-nous sans lui? C'est le seul nom qui nous garde, le seul nom qui fait nos cœurs, notre cœur brûle d'amour pour lui. Nos entrailles brûlent d'amour pour lui. Et je crois que plus il va revenir, plus il revient, plus nos cœurs sont tournés vers lui. Quand même que le monde nous combat, quand même que le monde s'écroule, quand même que le monde, il y a toutes sortes de séductions. Mais le Seigneur nous attire à lui de plus en plus. Le Seigneur nous interpelle de plus en plus. Vous voyez, c'est comme un berger. Lorsque la brebis va un peu à gauche, à droite, eh ben le berger il vient pour rattraper la brebis. Hé, la brebis, c'est par là le chemin, la brebis. C'est par là le chemin, c'est par là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur mon roi, sois glorifié, papa. Sois adoré, papa. Ton nom est digne de gloire, Seigneur. On remet nos vies entre tes mains, papa. Nos pensées entre tes mains, papa. Acquérions-nous, Seigneur, car tu as les paroles de la vie, papa. Oui, Seigneur, tu as les paroles de la vie, papa. Seigneur, dans ce monde, il n'y a aucune parole de vie, Seigneur, mon roi, papa. C'est que des paroles, papa, de destruction. Que des paroles, papa, Père, qui détruisent, papa. Oh, Seigneur, mon roi, on refuse de se conformer à ce siècle présent, Seigneur. On refuse, papa, de s'attacher à ce monde, papa, ce siècle présent, Seigneur, mon roi. Voilà pourquoi, papa, je te prie, papa, de nous réveiller, papa. De réveiller nos consciences, Seigneur, mon roi, nos esprits, papa. Réveille-nous, Seigneur, mon roi. Réveille ton peuple, papa. Réveille-nous, Seigneur, mon roi, papa. Afin, papa, qu'on soit ferme, papa. Afin qu'on puisse te glorifier, Seigneur, mon roi, papa. Afin qu'on puisse, papa, marcher par ton esprit, papa. Faire tout ce que ton esprit nous demande de faire, papa. Vive selon l'esprit du Seigneur, papa, dans ce monde, papa. Oh Seigneur, avec ton esprit, papa, tout est possible, Seigneur mon roi. Avec ton esprit, papa, on déplacera des montagnes, papa. Nous marchons sur des scorpions et des serpents, papa. Avec ton esprit, Seigneur mon roi, papa. Au nom de Yeshua de Nazareth, Seigneur. Seigneur, brise les chaînes dans nos cœurs. Viens briser, papa, la séduction. Viens briser, papa, le péché. Viens briser, papa, au Père. Toute, papa, once de péché, papa, de l'ennemi, papa. Toute semence, papa, de l'ennemi.
soit brisé, Seigneur mon roi, papa, au nom de Yeshua de Nazareth, Seigneur. Ô Père, fais de nous des flammes de feu, papa. Fais de nous, papa, ô Père, des hommes, papa, des femmes qui brillons, Seigneur mon roi, papa. Que ton peuple, papa, puisse briller, papa. Sois dans la lumière, papa, dans le feu de ta lumière, papa, dans ta gloire, dans ta sainteté, Seigneur mon roi, papa. Au nom de Yeshua. Ô Père, viens restaurer, papa, ô Père, nos sœurs, papa, qui étaient dans... Qui n'ait plus de force. Que la force, papa, revienne, papa. Que la force, papa, ô Père, soit restaurée au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, Karina Masheka. Que la flamme soit restaurée, papa. Que l'huile soit restaurée, papa. Cette huile. Oui, cette onction, papa, cette huile. Père, pour marcher, pour demeurer dans la parole, demeurer dans la vérité, papa. Cette huile, papa, Père de gloire, au nom de Yeshua. Qui nous maintient, papa, réveillé, papa, qui nous maintient, papa, au Père, à la brèche, Seigneur mon roi, papa, au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia, papa, sois glorifié, Seigneur. Sois magnifié, papa, on refuse d'être des religieux, papa, on refuse, papa, Père de gloire, d'être orgueilleux, papa. On refuse de tomber dans le péché, papa, au nom de Yeshua de Nazareth, papa. Au nom de Yeshua de Nazareth. Korila Masheka. Oh Seigneur mon roi, viens briser les forteresses. Oh papa, viens briser papa l'idolâtrie de nos cœurs. Toute idolâtrie soit brisée. Toute idolâtrie soit brisée dans nos cœurs, Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Voilà le titre en fait de ce message. C'est sortez de l'idolâtrie. Sortez des fêtes de ce monde, des coutumes de ce monde. Voilà, c'est ça le message. Et l'homme est un être ben, orgueilleux, on le sait tous. Orgueilleux, idolâtre, rebelle. L'homme est un être qui se cherche. Depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme a bâti toutes sortes de traditions, toutes sortes de religions, toutes sortes de coutumes. Et on le voit dans le monde, on le voit aujourd'hui. Notre génération est en mal d'amour. Le monde est en mal d'amour. Nous sommes dans un monde où nous sommes nés. Voilà, on a grandi. Il y a encore des naissances, ils grandissent. Ils sont formatés par rapport au système de ce monde. Formatés par rapport à des choses qu'on leur a enseignées étant petits, étant jeunes. Et puis nous grandissons avec ces forteresses. On grandit avec ces voilà, c'est prison dans nos cœurs, là. Et on vit dans ce monde sans chercher à connaître, sans chercher à savoir l'origine de toute chose. L'origine du Créateur, enfin, du Créateur, du ciel et de la terre plutôt, parce que le Créateur n'a ni commencement ni fin de jour. Mais en vérité, d'où venons-nous? Qui est notre Géniteur plutôt? Qui est notre Créateur plutôt? Qui est-il? Car sans sa révélation, sans connaître le Seigneur, eh ben le cœur de l'homme sera toujours vide. Le cœur de l'homme est en mal d'amour, est en recherche d'amour, en recherche de plaisir, en recherche de sensations, en recherche d'adrénaline, en quête de... En fait, l'homme est à la poursuite du vent. Lorsqu'on s'assoit, lorsqu'on réalise, lorsqu'on contemple, lorsqu'on regarde, mes frères et sœurs, la création, mes amis, il y a un Créateur. Et lorsqu'on regarde l'attitude de l'humanité, la marche de l'humanité, on se rend compte qu'il soit à la poursuite de la vanité. Chaque année, chaque saison, c'est le même train-train, c'est la même routine. Voyez, et même ceux qui se disent croire en Jésus-Christ de Nazareth. C'est plus par rapport aux chrétiens, ce message aussi en même temps, mais en même temps, je crois que le Seigneur peut toucher aussi les païens, les inconvertis. Voyez, même ceux qui se disent croire en Jésus, qui se disent avoir la vie éternelle, qui se disent aller au ciel. Mais en vérité, beaucoup parmi les chrétiens sont dans le mélange.
beaucoup de chrétiens sont dans l'idolâtrie, sont à la recherche de reconnaissance par rapport à ce monde. Beaucoup de chrétiens ont du mal à prendre position pour la Bible, position pour la vérité, position pour les Écritures. Quand bien même qu'ils le savent parmi eux, que la Bible est contre l'idolâtrie. Voyez, que la Bible est contre les fêtes, les coutumes de ce monde. Nous sommes dans une période de Noël, par exemple. Une fête que le monde festoie, que les pécheurs, que les inconvertis, les athées, adorent. Voyez. Pourtant, ils ne croient pas, au Seigneur, parce que beaucoup pensent que Noël est une fête de Jésus-Christ. Donc si Noël était une fête de Jésus-Christ, pourquoi ceux qui n'aiment pas Jésus la fête alors? Pourquoi les athées la fête alors? Prendre tant de mal, on a vu sur les réseaux, on l'a tous vu. Les gens mettent leur sapin, les boules, les cadeaux sur le sapin. Ça là, c'est la folie. C'est la folie, c'est la pensée de ce monde, c'est la pensée mondaine. Car le Seigneur de la parole ne nous a jamais recommandé de fêter Noël. Où c'est écrit dans la Bible? En plus, c'est une fête qui est mêlée de mensonges, où les parents achètent des cadeaux pour leurs enfants, ils font croire que le Père Noël est passé. Déjà, la base, c'est le mensonge déjà. Où Yeshua est menteur? Donc beaucoup de chrétiens vont dire non, il faut la faire parce que pour que les enfants puissent quand même ne pas se sentir trop isolés, trop seuls. Non. C'est pas ce que dit la Bible. On va prendre un passage dans Proverbe 22 au verset 6. La Bible dit: instruis le jeune homme dès l'entrée de sa voie, même quand il sera vieux. Il ne s'en détournera pas. Waouh, c'est une belle parole. Instruis le jeune homme dès l'entrée de sa voie. En gros, dès le bas âge, dès la naissance là. Dès la naissance. Malheureusement, nous autres, on n'a pas été enseignés comme ça lorsque nous sommes nés. Nous sommes nés, on était dans le moule. On a grandi selon le système de ce monde. Les fêtes, tout ça, les fêtes de Pâques, patati, les catéchisme, tout ça, on est tous passés par là. Mais en vérité, on n'a pas été enseigné selon la vérité, selon la parole. Donc, on est passé par là, mais le Seigneur nous a sauvés parce que nous étions ignorants. Et la parole dit, le Seigneur ne prend pas compte des temps d'ignorance. Voyez? C'est-à-dire qu'il y a un temps où on était ignorants et le jour est venu où le Seigneur nous a réveillés, Yeshua nous a appelés. Et nous a montré la vérité. Qu'est-ce que dit sa parole? Que veut-il de nous? Qu'est-ce que son royaume? Alléluia. Le Seigneur ne prend pas compte des temps d'ignorance. On était ignorants. Lorsqu'on a fêté Noël, lorsqu'on a fêté toutes ces fêtes-là de Pâques, etc., les fêtes, tout ça, nous étions aveuglés. Nous étions formatés par cette génération. Et quand il a plu au Seigneur de nous toucher, on s'est convertis. Et nous sommes aujourd'hui, toi qui vas te convertir, mon frère, ma soeur, tu es un parent de demain. Tu es un parent de demain. Donc, c'est-à-dire que la Bible que nous lisons, la parole que nous avons aujourd'hui, nous devons la transmettre. On doit transmettre l'héritage. Et cet héritage, c'est aussi c'est la parole qu'on a reçue. L'héritage que le Seigneur nous a donné. Sa parole. Et on doit la transmettre à nos enfants lorsqu'ils naissent, dès le bas âge. Commencer à les enseigner selon la vérité, selon la parole du Seigneur, afin que la parole, comme la parole nous dit, que quand... On va le prendre tout de suite, on va reprendre. Voilà. Instruit le jeune homme dès l'entrée de sa voie. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. En vérité, la parole qui est semée dans le cœur de nos enfants, lorsqu'ils grandiront, lorsqu'ils seront vieux, le Seigneur va... En fait, Yeshua, il est fort. Quand la parole est semée, c'est l'Esprit qui vient par la suite et qui fait le travail. Donc, le travail sera fait. Donc, c'est-à-dire que nos enfants
on doit les enseigner selon la parole, non selon les écoles, non selon le monde, non selon les systèmes de ce monde, mais selon la Bible. Voilà, voyez. Les enseigner selon tout, par rapport à tout ce que le monde peut fêter. Même les fêtes d'Halloween, tout ça là, les fêtes d'Halloween, tout ça, les fêtes de sorcières, carnaval, tout ça, Noël, fêtes de Pâques. En fait, tout ça là, nos enfants, on doit les enseigner dès le bas âge. Et je vous assure que, faut pas qu'on se dise, oh non, c'est des enfants, ils vont pas comprendre tout de suite. Ils comprennent très bien les choses. Parce que si on commence à les habituer à ce système de ce monde, eh ben, on fait pas le travail que le Seigneur nous demande, à nous qui sommes convertis. Il faut pas que tu te dises, oui, ben nous aussi on est passé par là, on n'est pas mort, ben nous ne mourrons pas non plus. Là, ça s'appelle la compromission, ça. Ça s'appelle, ben, pas prendre position pour le Seigneur. Voyez? Parce que beaucoup pensent comme ça, hein. Donc, je suis sûr, sur le chat, là, beaucoup vont dire, oh oui, ben, j'avoue, j'ai pensé pareil déjà. Eh ben, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Oh, je suis passé par là, on n'est pas mort. Dans ces cas-là, ben, il faudrait les laisser vivre dans le péché. En fait, il faudrait les enseigner le péché dans ces cas-là. Les enseigner la mauvaise manière de vivre, parce que vu qu'on est passé par là aussi. Vous voyez, donc c'est pas la solution. La solution, c'est quoi? Eh ben, c'est de les instruire dès l'entrée. Vous voyez, dès l'entrée de sa voix. Les enseigner sur toute chose. Prendre les mots qu'il faut, comme c'est des enfants, pour les enseigner, leur transmettre l'héritage. Leur transmettre la parole du maître, afin que demain... En fait, c'est comme ça que la parole se propage en vérité. Hein. Vous voyez? C'est ça que le Seigneur nous demande. En tant que parents, ben, enseigne nos enfants, demain aussi auront des enfants. Et ben, la parole traverse les âges de siècle en siècle. Et c'est ce qui s'est passé quand l'église primitive est née. Eh ben, ils ont enseigné leur famille, enseigné leurs enfants, ainsi de suite. Et la parole nous atteint jusqu'en 2020. Vous voyez? Waouh, waouh, waouh. Notre Seigneur là, il est puissant. C'est un visionnaire. Il est assis sur son trône. C'est le plus grand visionnaire. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'est pas pressé. Dans chaque génération, il enseigne des hommes. Il enseigne des femmes. Il enseigne des enfants. Il enseigne à travers des hommes, des femmes. Et la parole se propage. Ça se propage, ça se propage. Parce que le royaume doit se remplir. Des âmes doivent entrer au ciel. Le royaume de l'ennemi doit être ébranlé. C'est pour cela qu'on doit pas, on doit prendre position pour le royaume des cieux. Parce qu'il y a une guerre. Hein? Il y a une guerre, c'est pas un jeu. Voyez? Chaque année, ton cœur brûle d'amour pour Noël. Chaque année, ton cœur brûle d'amour pour toutes ces fêtes. Vous voyez, toutes ces fêtes-là qu'il y a dans le monde. Tu es nostalgique. Avec Yeshua, il n'y a pas de nostalgique. Hein? Avec Yeshua, toutes choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Les jours de Noël sont passés là, tout ça. J'ai même oublié, c'était quand les jours... Je disais à ma femme, oh c'est quand... Ah ouais, oh faut. En fait, t'es déconnecté. Pour toi, c'est un jour comme tous les jours. Et tes enfants que t'as enseigné dès le bas âge, ils vont pas se plaindre. Maintenant, ils vont pas se plaindre parce que dès le bas âge, ils ont été enseignés de la sorte. Donc en grandissant, ils vont pas se plaindre, oh, j'ai pas eu de cadeau sous le sapin. Non. Comme ils n'ont pas été habitués à ça, parce qu'enseignés par rapport à, ils ont été enseignés par rapport à ça, eh bien ils n'ont pas de ils ne sont, ils ont, ils vont pas pleurer, oh le cadeau, non, ils sont pas dedans. Voyez, ils sont pas dedans. Pourquoi? Parce que les parents ont fait le travail dès l'entrée de sa voix. Voyez mon frère, ma sœur. Donc, il faut faire ce travail dès l'entrée de sa voix. Ce qu'on a communiqué à nos enfants, c'est le royaume en vérité. C'est le ciel. Voyez? Le ciel en vérité. Voilà, voyez? Et beaucoup de parents diront, mais mon enfant il est triste. Non, il ne sera pas triste. Parce que comme dès le bas âge, il a été enseigné de la sorte, je vous dis la vérité, il est en paix. Parce que tu n'es pas un parent qui achète des cadeaux seulement pour le 24 décembre. Tout au long de l'année, ben, vos enfants ils peuvent avoir des jouets.
faut pas attendre seulement une date bien spéciale pour donner des cadeaux aux enfants. Mais non, de janvier à décembre, eh ben, tes enfants, ben, quand tu fais des courses, ils veulent un jouet, ben, tu prends un jouet pour eux. Voyez. Et le plus grand cadeau qu'on peut donner à nos enfants, ben, c'est l'amour en vérité. C'est pas les jouets. Hein. Regardez comment les gens, des fois, dans le monde sont riches. Ils ont plein de cadeaux, plein de jouets, mais est-ce qu'ils ont l'amour véritable? Ils sont tristes, ils n'ont pas l'amour. Il y a des parents qui sont riches, ils donnent des cadeaux à leurs enfants, mais ils n'ont pas donné l'amour à leurs enfants. Leurs enfants sont tristes, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas les parents qui sont là. Combien de parents sont grands, sont riches, travaillent? Leurs enfants ont tout ce qu'ils veulent comme jouets. Mais est-ce qu'ils ont la présence de leurs parents devant eux? Est-ce que leurs parents sont là pour eux? Regardez le nombre de divorcés qu'il y a même parmi les riches. Pensez-vous que les enfants sont heureux avec les cadeaux? Non. Un enfant, ce qui lui rend heureux, c'est la présence de ses parents. C'est un père et une maman qui ont le même langage, qui font le même travail, qui enseignent à leurs enfants la même parole. Voyez? C'est pour cela que la parole nous dit aussi de ne pas se marier avec, de se mettre sur un joug étranger. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Parce que le problème qui se passe, c'est que si toi t'es converti et la femme n'est pas convertie, ou vice versa, je ne sais pas, qui va... quand tu vas donner l'enseignement correct à ton enfant dès l'entrée de sa voie, et que la femme vient derrière, elle donne un autre travail dès un autre enseignement dès l'entrée de sa voie. Mais vous voyez pas que l'enfant sera troublé, l'enfant sera bancal, ça va créer un trouble dans le foyer, un trouble dans le cœur de l'enfant. C'est terrible. Hein? Toi, t'enseignes à l'enfant la parole, l'autre, elle va enseigner. Oui, elle peut faire les choses du monde. Tu peux faire Halloween. Vous voyez? Et toi, tu dis non, ça va créer la zizanie et l'incompréhension dans le cœur de l'enfant. C'est pour cela que les parents qui se marient, qui veulent se marier, avant de se marier, là, il faut savoir que le mariage, ce n'est pas une affaire de sexe. Hein. Faut pas oublier que derrière le mariage, il y a des enfants qui arrivent. Parce que le fruit du mariage aussi, c'est y a les naissances. Vous voyez? Parce que là, le Seigneur dit à Adam et Ève, soyez féconds. Donc, ça veut dire qu'il y aura des naissances. Des enfants qui vont naître. Voyez? Il faut penser aussi à leur salut. Parce qu'on ne voit pas ça tout de suite. Hein. On ne voit pas les conséquences du mariage. Hein. On pense tout de suite, oh, on va se faire du bien. Nanana, on va voyager, on est ensemble. Mais ta descendance, là, c'est comment la descendance? C'est terrible. Hein? Et ta descendance, qu'est-ce que tu vas donner à ta descendance? Oh là là, quelle vie que tu vas communiquer à ta descendance? Tu te maries avec une femme qui n'a rien à faire de Yeshua. Tu vois? Elle fait semblant qu'elle aime Yeshua, mais en vérité, dès que tu es marié là, elle va jouer le vrai jeu. Elle va retirer son masque. Les enfants vont arriver au monde. Comment tu vas gérer tout ça, mon ami là? Ce sera une vraie guerre. Hein? Et admettons, elle dit, je te quitte parce que j'en ai marre de ton Jésus. J'en ai marre. Tu me fatigues. Mes enfants, je veux qu'ils vivent leur vie. Tout ça, toi, tu es là. Tu leur enseignes que des choses qui les empêchent de s'amuser. Des choses que Jésus, oh, j'en suis fatigué. Bon, moi, je prends mes clics et mes claques. Je te quitte. Voilà comment des enfants sont détruits. Voilà comment des enfants seront, mes amis, détruits. Parce que des parents se sont mariés sans penser à leur progéniture. Tandis que si tu te maries avec une femme ou un homme, j'ouvre la parenthèse, hein, mais c'est important de, je sais pas, je me laisse conduire. Tu te maries avec une femme qui a totalement la pensée du monde. C'est-à-dire que quand t'es pas là, elle met le rap, tout ça, le zouk. Et tes enfants, ils sont là, ils se baignent dans ces musiques, mes amis. Ils se baignent dans les ténèbres, ils se baignent dans l'obscurité. Et toi, t'arrives, tu veux communiquer autre chose à tes enfants, la vérité à tes enfants, ça va créer un trouble. Ça a créé un trouble terrible. C'est terrible, mes amis. Hein. C'est pour cela, là, il faut se marier, pas sous un joug étranger, mais sous un joug de la même famille. Voilà. L'homme qui aime Yeshua, la femme qui aime Yeshua, qui craint Yeshua. Car s'il n'y a pas la crainte de Yeshua, mais c'est le désordre, c'est le péché, c'est compliqué. Voyez? Je ferme la parenthèse. Voyez pourquoi on ne doit pas se mélanger avec le monde.
On voit les gens, là c'est Corona, on a plein Corona en plus. On voit les gens dans les magasins, tout ça. Ils achètent, c'est la folie. Hier les gens pleuraient, là c'est comme s'ils ont pris. En fait, il n'y a pas d'espérance dans le monde. Et comme le monde n'a pas Yeshua dans son cœur, eh bien qu'est-ce qui se passe? Ils vont combler leur cœur avec autre chose. Quand tu n'as pas Yeshua, ton cœur est comblé par le monde. Tu combles ton cœur par le monde, par les fêtes de ce monde, par les plaisirs de ce monde, la vanité de ce monde. Parce qu'il n'y a pas Yeshua dans ton cœur, dans le cœur du monde. Donc quand on dit aux gens, oui, Noël, nanana, c'est quoi? Mais les païens, ils ne vont pas comprendre, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais si je ne fais pas Noël, je vais faire quoi? Je vais galérer, moi. Ils vont dire, si je ne fais pas le nouvel an, mais je vais galérer, moi. Si je ne sors pas danser, mais je vais galérer, moi. Vous voyez, parce qu'ils n'ont pas Yeshua, ils n'ont pas Jésus. Et quand tu as Jésus-Christ dans ton cœur, tu es comblé. Quand tu as Jésus, je te dis la vérité. Quand tu as le Jésus véritable, le vrai Jésus, hein. Pas le Jésus religieux, le Jésus véritable, mes amis. Quand le Jésus véritable est en toi, je te dis la vérité. Toutes les choses de ce monde-là, c'est... Oh, qu'est-ce qu'on me fatigue avec Noël? Moi, je ne suis pas dans ça, moi. Ils vont dire, mais il galère, il est dans une secte. Mon ami, tu n'es pas dans une secte. Eux, là, ils sont dans une secte mensonger. Nous, ben, nous suivons la parole, nous suivons la lumière. On suit la lumière, l'étoile. Alléluia. On suit le Mashiach. Et quand tu suis le Mashiach, t'es pas... Oh là là. On va dire bonne année, t'as même pas envie de répondre à tout ça. Oh, joyeux Noël. Oh, tu réponds pas. Oh, fatigue et tout ça là. Bonne fête de pas. Oh, ça nous fatigue. Parce que tout ça là, c'est l'idolâtrie. Tout ça là, c'est quoi? C'est l'hérésie. C'est la vanité. Voyez? Et demandez aux hommes de ce monde, demandez aux gens, qu'est-ce que ces fêtes que vous fêtez? Quelle en est l'origine? Ils te diront, mais quand j'étais petite, ça me rappelle quand j'étais petite. Ça me rappelle mon enfance. Mais véritablement, l'origine des choses, ils ne savent pas. C'est, ben voyez, c'est, ils ne savent pas. Voyez, on va prendre un passage. On va prendre un passage dans Jérémie. Jérémie, tac, tac, tac. Jérémie, chapitre 10. Que tout le monde connaît. Et si d'autres personnes ne connaissent pas, ben, je prie que le Seigneur nous éclaire avec toutes ces paroles au nom puissant de Yeshua. Jérémie, chapitre 10, au verset 1. Qu'est-ce que dit le Créateur? Écoutez la parole de Yahweh vous adresse. Maison d'Israël. Vous me direz, non, c'est maison d'Israël. Non, non, non. C'est valable aujourd'hui, ça. Parce qu'on va dire, oui, mais vous savez, j'ouvre une parenthèse. Hein. Souvent, j'entends des gens dire, oh oui, mais ça, c'était pas réservé pour nous, ça, c'était. Non, non, non. Pas tout. Il y a certaines choses, oui, c'était donné à Israël. Vous voyez? Après, avec Yeshua, ben, il y a des choses qui ont été. Voilà, qui ont été abolies. Vous voyez? Mais c'est pas tout qu'on va lire dans la parole, là, on va dire, oui, oh non, 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 c'est pas pour nous, c'est pour Israël, nous, non, non, on peut. C'est la grâce, vous savez, c'est la grâce. Attention. Attention, mes amis. C'est terrible. Comme une autre parenthèse, on va dire, oh non, non, crier, c'était les prophètes avant ça. C'est pas d'actualité, mon ami. La parole est claire, la sagesse crie dans les rues. Eh oui, c'est pas... C'est d'actualité ça. Faut pas qu'on mélange les choses parce que certains veulent pas le faire certaines choses. On va dire non 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 ça c'était pour tel peuple. Non 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 non. Là on parle pour nous là aussi là. C'est valable pour nous. Alléluia. Voyez, faut pas prendre ce qui nous intéresse et on rejette. Faut tout prendre. Et bien sûr ne pas pratiquer bien sûr ce qui est t'es sous la loi bien sûr. On en Yeshua. Faut bien qu'on comprenne les choses. Voilà, ainsi parle Yahweh, n'apprenez pas les habitudes des nations, voyez. Il dit, n'apprenez pas les habitudes. Et quelles sont les habitudes des nations? C'est le péché, c'est le mensonge, c'est la haine, l'adultère, le athéisme, la rébellion,
une vie sans loi divine. Voyez, ils font ce qu'ils veulent. Voyez, ils ne veulent pas obéir au Seigneur. Tous ces fêtes qu'on voit, Noël, pourtant Noël, Noël, non à Elohim, non à Dieu. Oh là là. Oh, quelle fête mensongère, celle-là. Quelle fête mensongère. Un jour, j'avais déjà dit ça un jour. Depuis tout petit, hein, dans ma famille, j'ai jamais aimé cette fête-là. J'étais toujours triste. Je crois que le Seigneur m'a déjà communiqué certaines choses. Mais depuis tout petit, là, je détestais cette fête. J'étais toujours triste. En fait, je crois que j'étais triste parce que, en fait, je voyais l'hypocrisie des gens, en fait. Ah oui! Je crois que c'est la réponse que j'ai là. C'est parce que je voyais l'hypocrisie familiale. Tu vois, les familles se réunir entre eux seulement le 24. J'ouvre la parenthèse avant de continuer à lire. Seulement le 24. Oh, ça va, Annick? Ça va, Gilbert? Ça va, Claude? Ça va, nanana? Ça va, hypocrisie. Tout le reste de l'année, il ne se calcule pas. Il ne s'appelle pas. L'autre critique là-bas, l'autre critique l'autre. L'autre critique, cancan, si, cancan, des histoires, des cancans, des cancans, des cancans. C'est grave. Oh Seigneur. J'ouvre la parenthèse aussi. Dernièrement, on a diffusé à contre-cœur, malheureusement, une vidéo là. On a vu des gens se connecter. Les gens, excusez-moi, beaucoup aiment les cancans. Savoir, oh, c'est quoi les histoires. Mais quand c'est la Bible là, beaucoup là, ça ne les intéresse pas. Mais quand c'est les histoires, tout ça, eh ben, on veut écouter pour aller rapporter le commérage. Voilà pourquoi il y a des prédicateurs là qui font n'importe quoi, que du cirque. Les gens les suivent, les humains là, ils aiment les histoires. Oh, c'est terrible. Oh là 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 là. Enfin bref, pas entendu fermé. Voyez. Donc Noël là, ça rassemble les familles, mais c'est d'une manière hypocrite. C'est des cancans, c'est toute l'année là, c'est des histoires. Ils aiment l'autre, n'aime pas l'autre, l'autre voit pas l'autre. Et ils attendent quoi le 24 pour se voir et manger ensemble parce que c'est le réveillon. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Quand l'autre meurt de faim là-bas, quand l'autre a des problèmes là-bas, qui va le voir? Qui le soutient? Vous voyez l'hypocrisie de ces fêtes, de ce monde-là? Tout est embelli, tout est beau, patati, patata. T'entends tout le monde crie après « Bonne année !» Et dans les trains, il n'y a plus de bonjour dans le mois qui suit. Hein. Le mois qui suit, tout le monde dans le train, dans les bus, dans les cars, on le voit. Bouche fermée, visage serré. Retour au problème. Retour à la réalité de ce monde qui va à la fin. Ce monde perdu. Voilà ce que rend les fêtes là. Ça, c'est des fêtes qui donnent une joie passagère. Mais l'amour de Jésus, quand tu as Jésus dans ton cœur, c'est une joie éternelle. Alléluia. C'est une joie qui ne tarit pas. C'est une joie qui ne finit pas. C'est une joie qui te comble. C'est une joie qui te fait marcher malgré les douleurs, malgré les combats. C'est une joie terrible. Yeshua, il s'appelle. Alléluia. Mais le monde là, aïe, 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 aïe. Tu pleures après les fêtes. Regardez les fêtes hypocrites. Oh, bonne fête de Pâques. Voyez encore cette fête là encore. Là. Alors que la Pâques, selon la parole, c'est quoi? La Pâques, c'est Pessa en hébreu. Pessa. Faut l'oublier parce que la parole nous dit que le salut vient des Juifs. Donc la Bible, c'est pas un livre romain ou je sais pas, c'est ça sort d'Israël. Le salut nous vient des Juifs. Donc la Pâque, c'est quoi la Pâque? Yeshua est notre Pâque. Jésus est notre Pâque. Et la Pâque en hébreu, c'est Pessa. Voyez? Et quand tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, ben comme il est notre Pâque, c'est-à-dire que quand la mort, lorsque nous mourons, eh bien, on n'ira pas en enfer. On monte au ciel. Et Pessa veut dire passer outre. C'est-à-dire que la mort, l'enfer va passer outre toi et moi. Parce que Yeshua est le vainqueur. Yeshua a vaincu la mort. Yeshua a tout accompli. C'est pour cela qu'il est notre Pâque. Alléluia. C'est-à-dire que les maladies, ça passe outre. Corona, au nom de Yeshua, ça passe outre. La mort, ça passera outre. L'enfer passera outre au nom puissant de Yeshua. Voilà pourquoi on doit manger cette Pâque, accepter Jésus-Christ dans nos cœurs, afin de recevoir le véritable comblage, si je peux dire ce mot. Tu seras comblé.
tu vas plus courir après dépenser ton argent comme ça là, 24 décembre. Déjà, il n'y a pas d'argent de ça, c'est la crise économique. Les gens vont dépenser le peu qu'ils ont pour acheter des sapins, des guirlandes, patati, patata. Et après, ben, c'est compliqué, les gens continuent à pleurer. Et après, bonne année, épiphanie, tout ça, nanana, patati, galette des rois, patata, après Saint-Valentin, et c'est parti. La boucle continue. Chaque année, le même baratin. Il est l'heure que les chrétiens se réveillent. Il est temps que les appelés de Yeshua se repentent et reviennent au chemin véritable. Le chemin du Christ, le chemin du Mashiach, la vérité, la sainteté, la croix, l'obéissance, l'amour pour le Seigneur. Il est temps de prendre position pour le Seigneur, pour Jésus, parce qu'il revient. Il est temps de vomir ses fêtes. Il est temps de vomir toutes ces fêtes mondaines, ces traditions, ces coutumes mondaines, afin de suivre véritablement la lumière qui est Jésus. Alléluia. N'apprenez pas les habitudes des nations, verset 4, 2. Et ne craignez pas les signes des cieux, parce que les nations les craignent. Le monde craint les signes des cieux. Le monde craint, mes frères et sœurs, le jugement qui vient. Regardez comment les gens pleurent aujourd'hui. Les gens pleurent, les gens n'ont plus d'espérance, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas surtout d'éclairage par rapport à ce qui se produit actuellement dans le monde. Les gens pensent que demain ira mieux. Je vous assure que demain est pire. 2022 sera pire. 2023 sera pire. Toutes les années qui arrivent là, elles seront pires que toutes les années précédentes. C'est terrible, c'est terrible, terrible. Donc s'il n'y a pas Yeshua, s'il n'y a pas Jésus, s'il n'y a pas la parole du Seigneur dans nos cœurs, on va tomber. On va commencer à s'angoisser, on va commencer à pleurer, on va commencer à perdre l'espérance du ciel. Parce que nous voyons la terre se dégringoler. Et beaucoup de chrétiens malheureusement commencent aussi à pleurer avec le monde, commencent à s'inquiéter avec le monde, commencent à ne plus avoir d'espérance. Alors que Yeshua est notre espérance, Jésus est notre espérance. C'est pour cela qu'on doit se confier dans le Seigneur, confier nos vies dans Jésus. Car la parole dit, nous sommes cachés en Christ. Vous voyez, on est cachés en lui. C'est-à-dire que le Seigneur, ben, il nous protège, il nous garde. Alléluia. Ceux qui l'adorent, ben, ils seront conduits par son esprit. Je vous dis la vérité, le Seigneur a son peuple dans cette génération. Il sait que cette génération est en train de périr. Il le sait que c'est la fin. Car c'est lui-même qui l'a annoncé. Dans Luc 21, Matthieu 24, il a annoncé les signes de la fin. Dans quel état sera le monde à la fin? Il l'a lui-même annoncé. Donc il savait que dans cette génération, il se serait passé des choses terribles qui allaient effrayer l'homme, effrayer même les chrétiens. Mais le Seigneur nous dit ce soir quoi? Prenez courage. Prenons courage. Parce que j'ai vaincu le monde. Yeshua a vaincu la terre, le péché, l'enfer, les démons. Oh, il a tout vaincu. Alléluia. Voilà l'espérance. Yeshua a tout vaincu. Alléluia, papa. Il a tout vaincu. C'est pour cela qu'on doit s'attacher pleinement à lui. Malgré ta faiblesse, malgré que tu es tombé hier dans le péché, il te dit repens-toi, relève-toi et continue le chemin. Continue la trajectoire, mon frère, ma soeur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole, papa, qui nous fait du bien, qui nous rassure, papa. On se repent de nos péchés, de tout mal qu'on a pu commettre, papa, au nom de Yeshua de Nazareth, papa. Oh Seigneur, mon roi, viens souffler, papa, ce feu nouveau. Viens souffler ton onction, papa, ta gloire sur ton peuple dans les nations, Seigneur, mon roi. Viens souffler, papa, ta puissance, papa. Le vent de ton esprit, papa, opère sur les cœurs, sur nos vies, papa, au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour le revêtement. Le revêtement, papa. Tu nous revêts de ta puissance. La puissance de la résurrection. La puissance d'en haut. Tu nous revêts, papa, ô Père de gloire. De l'équipement, Seigneur mon roi. Oh, des chaussures pour marcher, papa, contre le péché, papa. Marcher, papa, sur le péché, papa. Au nom de Yeshua de Nazareth, papa. Merci, Seigneur, car tu ouvres des portes devant nous, Seigneur mon roi. Tu, papa, tu mets un boulevard devant nous, Seigneur mon roi, papa. Au nom de Yeshua de Nazareth. Oh Seigneur, que le feu, papa, soit restauré dans nos vies. Alléluia. Oh mes frères et sœurs, Yeshua il s'appelle. On ne doit pas avoir peur.
on doit se confier dans le Seigneur. On ne doit pas aller se tomber dans la vanité que le monde est aujourd'hui pour oublier un peu ce qui se passe, parce que les fêtes d'aujourd'hui là, ça fait oublier un peu le monde. En fait, oublier un peu au monde la réalité des choses. Ils sont comme anesthésiés pour quelques jours. Mais nous qui sommes de la lumière, nous ne sommes pas anesthésiés. Hein. On voit la manigance de tout ce qui se passe. On voit, nous sommes éclairés. Voyez? Parce que là, le monde est en train de comme dormir quelques jours. Oh, tout va bien. Tout va bien. Mon ami, tout va pas bien. C'est la fin. Jésus revient. Le règne de Yeshua, le jugement de Yeshua arrive. Oh oui, il faut se repentir du péché. Toi qui ne connais pas le Seigneur, il faut te repentir, il faut te donner pleinement, Seigneur. Te repentir, accepter la parole, accepter l'évangile. Il n'y a aucune assurance dans l'argent. Il n'y a aucune assurance dans le travail. Il n'y a aucune assurance dans les fêtes. Il n'y a aucune assurance dans la politique. Il n'y a aucune assurance dans quoi que ce soit de ce monde. Tout n'est que vanité. Tout est poussière, tout est ruine. Et le Seigneur veut nous offrir le royaume des cieux. Et dans son royaume, il n'y a pas de contrôle. Dans son royaume, c'est la liberté. Dans son royaume, c'est la santé. Dans son royaume, c'est la paix. Dans son royaume, c'est la vie. Pas de famine, c'est la paix. C'est l'amour, l'éternité, la vie éternelle. C'est la paix véritable. Voilà l'espérance. Voilà ce que Yeshua, Jésus-Christ, nous offre. Il ne t'offre pas une religion quelconque. Il veut t'offrir son cœur d'amour, sa pensée véritable. Voilà pourquoi tu dois avoir sa pensée, la pensée du ciel, la pensée d'en haut, afin de ne pas t'ébranler avec la terre, afin de ne pas pleurer comme le monde, toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui es dépressif. Jésus veut te donner cette foi véritable, cet amour véritable, cette paix véritable que tu recherches dans les choses de la terre. Ô Seigneur mon roi, voyez. Parce que les nations les craignent, verset 3. Les ordonnances des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. Vous voyez le sapin là. Ils vont couper le bois dans le sapin, la forêt. La main de l'ouvrier, le travail avec la hache. Vous voyez, ça c'est le sapin ça. On l'embellit avec de l'argent, de l'or. On le fait tenir avec des clous et à coups de marteau afin qu'il ne vacille pas. Vous voyez, c'est bien enraciné dans le cœur. Vous voyez, cette idolâtrie-là de ce monde est bien enracinée, bien clouée dans le cœur de l'humanité. La pensée de l'humanité. Vous voyez? Qui est terrible, hein? Oh Seigneur. Et même dans le cœur de beaucoup de convertis. Il y a une attache par rapport au fait de ce monde. Il y a une attache par rapport au système de ce monde. Et le Seigneur veut totalement nous délivrer, nous purifier, nous épurer de toutes ces traditions de ce monde, afin qu'on puisse pleinement être rempli de son esprit. Il t'appelle à sortir du mélange, toi qui prie je ne sais pas où, toutes ces églises bizarres là, qui fêtent Noël, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans le mensonge. Et le Seigneur appelle ses enfants à sortir du milieu d'elle. Sortez de tous ces systèmes, toutes ces religions, toutes ces sectes, sortez-y. Parce que le Seigneur est hors de cela. Alléluia. Verset 5. Ils sont comme un palmier d'argent martelé. Ils ne parlent pas. On les porte. Ouais, ils ne parlent pas, hein, les sapins là. Ils sont dans la maison. En plus, ils perdent toutes leurs plumes, tous leurs petits trucs là, les petits trucs. Et ça ne parle pas, ça s'allume. Et c'est comme une présence qui est dans la maison. Comme une présence. Vous voyez, comme une présence, comme une lumière qui s'allume. Tic, 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 tic. Ça, c'est une fausse lumière qui n'apporte pas la joie. Vous voyez, après, il faut la jeter parce que il a perdu toutes ses plumes. Il faut tout débrancher, ranger les lumières et attendre l'année prochaine pour rallumer cette lumière pour égayer nos cœurs. Alors que Yeshua, Jésus, il est la lumière du monde. C'est-à-dire qu'il était tout le temps éclairé. Il n'y a pas où il faut attendre 2 semaines, 2 ans. Non, tous les jours, il était clair. Et sa parole, c'est elle qui nous éclaire. Sa parole est une lumière. L'évangile est une lumière. Alléluia. Les noces nous attendent au ciel. Hein. Là-haut, là, c'est... En fait, il n'y a pas de comparaison à voir avec la terre. Là. C'est... Oh là 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 là.
C'est pour cela qu'il faut vomir la terre, mes frères et sœurs. Vomissons la terre. Vomissons tous les systèmes de ce monde. Vomissons le péché encore. Et marchons pleinement selon l'Esprit. Alléluia. 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 Voyez, ils sont comme un palmier d'argent martelé. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Ça, c'est pour les mes frères antillais là, guadeloupéens. Ça ne parle pas parler. Ils pas ni bouche. Ils ne parlent pas. On les porte. On les porte. Car ils ne marchent pas. Ouais, il faut les porter. Doun, doun, doun. Allez, on rentre du magasin. Doun, doun, doun. On rentre du magasin. Doun, 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 doun. Après, il faut le décorer, tout ça. Oh, quelle hypocrisie. Oh, franchement, c'est quel faux, Lolo. Bon, c'est... En fait, il faut Jésus pour comprendre ce qu'on ressent, en fait. Parce que beaucoup diront, mais c'est un galérien, il galère. Non, je galère pas, moi. Non. On est très bien sur tout ça, nous. Très, très bien. Sans Noël, sans tout ça, c'est... Oh, non, fort, quel mensonge. Allez dire à mes enfants, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme cadeau? Ils vont dire, mais qu'est-ce que vous me racontez quoi là? Mais non, toute l'année, papa, il me donne des jouets, papa. Il n'y a pas, oui, non, on ne croit pas en ça, nous. Papa, il dit, non. Allez dire à mes enfants, le Père Noël est passé par la cheminée. Et même les enfants vont vous dénoncer, là. Alléluia. Oh Seigneur, n'ayez pas peur d'eux. On les porte, car ils ne marchent pas. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et aussi, ils sont incapables de faire du bien. Oh là 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 là. Incapables de faire du bien. Voyez vos sapins là. Vos fêtes de Noël, vos fêtes de fin d'année. Ça ne fait pas de bien. Incapables de faire du bien. Voyez, c'est pour ça que la terre, c'est de pire en pire. Si tous ces fêtes-là donnaient la paix, là, le monde serait bien. Mais chaque année, c'est pire. Chaque année, c'est crise, c'est maladie, c'est problème, dérèglement. La terre est une poubelle. Les humains ont rendu la terre du Seigneur comme une poubelle. Et on veut l'embellir chaque année. C'est le chaos. C'est le chaos, cette génération misérable. Voyez ? Verset 6. Personne n'est semblable à toi, ô Yahweh. Voilà, Yahweh. Personne n'est semblable à lui. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Oh là là, son nom est grand par sa puissance. Voilà ce qui nous comble. Voyez ? Qui ne te craindrait, roi des nations ? Voyez ? Qui ne te craindrait ? Oh là là, la crainte du grand roi. Oh là là, bientôt, papa, on sera avec lui, hein. J'ai hâte d'être au paradis avec papa. J'ai hâte de voir cet être puissant, notre créateur, face à face. Il est beau. Oh là 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 là. Il est beau. Les Écritures nous disent qu'il est beau. Hein? Moi, je l'ai vu une fois dans un songe. Son visage est éclairé. Ça éclairait. Oh, là, mais là, on va le voir face à face comme ça. Là. Oh là là, Seigneur, mes amis. Alléluia. Et son cœur va battre doudou. Enfin, doudou, l'amour. L'amour. Oh là là, il va nous. Oh là là là. Les noces, là, c'est l'amour, hein. Il va nous faire des câlins. Je vous aime. Bien joué. Tu as tenu ferme. T'as bien fait. Voilà là, mon espérance. Voilà l'espérance que je vous donne aujourd'hui, là. Prenez possession du royaume, mes frères et sœurs. Alléluia. Allez jouer. Allez vous amuser. Allez. Oh. Alléluia. On verra les lions. On va aller dans l'eau, nager, tout ça, au fond de l'eau. On va monter dans les montagnes. On va monter. Oh, lolo. Mes mots sont faibles. Voilà, mes mots sont tellement faibles pour parler de tout ça. C'est compliqué. Voyez? Car parmi tous les sages des nations, et dans tout leur royaume, personne n'est semblable à toi. Et personne n'est semblable au Seigneur. Tous les princes de ce monde, les rois de ce monde, ils ne sont pas comparables au Seigneur. Mais non. Ils ne sont pas à la hauteur du Seigneur. On voit des gens s'agenouiller devant des hommes.
Oh là 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 là. Ils n'ont pas compris qui est le Seigneur. Ils n'ont pas compris qui est Jésus. Voyez? Et personne n'est semblable à toi. Verset 8. Et ils sont tous ensemble stupides et insensés. Leur discipline n'est que vanité. C'est du bois. Voyez, oh là là, Seigneur. Et ils sont tous ensemble stupides. Voyez comment le Seigneur traite tout ça là. Ils sont stupides. Si on dit ça aujourd'hui, on va dire, ah, il a insulté quelqu'un. Mais non, c'est pas une insulte. Hein. C'est le Seigneur lui-même qui dit ça là. C'est stupide. Insensé. Leur discipline n'est que vanité. Voyez, ils sont disciplinés. On est disciplinés. Tac, 24, tout ça, on achète tout ça, on attend, toutoun. On va tous au magasin, toutou. Allez, on achète là-bas, maman. Discipliné. Ouais, on vide le compte en banque, le peu qu'il nous reste pour vivre, on le vide pour faire un joyeux Noël. Oh, quelle hypocrisie tout ça là. Oh là là. Leur discipline n'est que vanité. C'est du bois. Du bois. C'est du bois, mes amis. Oh Seigneur, voilà le bois. Le bois cloué dans toutes les maisons. Même chez ceux qui se disent croire en Jésus. Et quand le monde voit ça, le monde dit, mais les chrétiens n'ont rien compris, quoi. Même la télé, là, on a vu la télé récemment, là, la télé dit c'est le mensonge, tout ça. Et les chrétiens, ils sont dans leur fête de Noël avec les reines. Tu vois les reines, là, le Père Noël. Oh là là, Seigneur. Quelle supercherie. Et quand tu vas dire aux chrétiens la vérité par rapport à ça, oh, t'es méchant. Oh, qu'est-ce que tu nous racontes? Oh, nanana. Oh là là. Oh là 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 là. Voilà, beaucoup ne veulent pas de la vérité en fait. Beaucoup ne veulent pas. Ils veulent pas aller au ciel. Ils veulent un peu un Jésus qui accepte un peu leur vie mondaine. Voilà, ils ont un pied à gauche, un pied à droite, mais le Seigneur dit qu'il vomit les tièdes. Hein. Voyez? On fait venir de Tarsis de l'argent battu et de l'or d'Ouphaz, l'artisan et la main de l'orfèvre, les travaillent. Les étoffes teintes en violet et en pourpre rouge sont leurs vêtements. Toutes ces choses sont l'ouvrage de sages. Mais Yahweh est l'Elohim de vérité. Voyez, le Dieu de vérité. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qui Elohim? C'est le nom du Seigneur. C'est l'Elohim vivant, le roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. En fait, l'évangile là, le monde ne supporte pas l'évangile. C'est une fureur, ça les juge, lui juge leur péché, leur mauvaise vie, leur mauvaise action. Voyez. Verset 11. Vous leur parlerez ainsi. Les Éléas qui n'ont pas fait les cieux et la terre périront de la terre et de dessous les cieux. Mais Yahweh est celui qui a fait la terre par sa puissance. Voilà, on ne veut pas du Bing Bang. Faut qu'on a... Voilà, c'est ce qu'il faut dire aux enfants dès le bas âge. Tout ça là, tout ça, on ne veut pas du Big Bang, c'est faux. C'est Yahweh qui a créé la terre par sa puissance. Voilà ce qu'il faut enseigner à nos enfants dès l'entrée de leur voie. À l'école, on leur dit certaines choses, mais on doit leur dire la vérité. C'est Yahweh qui a créé la terre et le ciel. Qui a fondé le monde par sa sagesse. Vous voyez, c'est la sagesse qui a fondé le monde. Il a mis les spots, les étoiles, tout. Voilà la vraie sagesse. Voilà. On nous fait croire que si on n'a pas Bac plus 40, tu n'es pas intelligent. Mon ami, Yeshua n'a pas Bac plus 40 et regarde ce qu'il a fait. Il a guéri les malades. Il a marché sur l'eau. Il a commis zéro péché. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Voilà le vrai diplôme à avoir là. La parole. Voilà. L'esprit du Seigneur. Voilà. Et non les choses de ce monde là. Oh, diplôme. Ok, ce n'est pas un péché d'avoir un diplôme. Je vous ramène l'équilibre. Vous voyez? Mais le monde là, tellement qu'il y a des diplômes, ils nous ont mis leur confiance dans leurs diplômes. Leurs diplômes sont devenus leur Dieu. Vous voyez? Bref. Et qui a étendu les cieux par son intelligence? Oh Seigneur, mon roi papa. Quand il donne de la voix, il y a un tumulte d'eau dans les cieux. Il fait monter les vapeurs des extrémités de la terre. Il fait les éclairs et la pluie. Il a créé les saisons aussi. Tout ça là, c'est pas le hasard. Quelqu'un derrière tout ça. Quelqu'un est à l'origine. Quelqu'un contrôle tout ça. Alléluia. Et il fait sortir le vent
de ses réservoirs. Il contrôle tout. Tout est sous son contrôle. Alléluia. Tout. Tout homme devient stupide par sa connaissance. C'est-à-dire que quand on le rencontre là, on se dit, oh là là, en fait, t'es misérable. Tu ne vaux rien. Tu pleures devant lui. Et tu le suis partout, en fait, en vérité. Parce que tu te dis, ben, en fait, c'est lui l'intelligence parfaite. Alléluia. Vous voyez, tout orfèvre est honteux de ses idoles. Car les idoles en métal fondu ne sont que mensonges ou mythos. Un monde de mythos, comme on dit là. Mensonges. Le mensonge. Il n'y a pas de souffle en elles. Elles ne sont que vanité. Tous vos sapins là, c'est vanité. Tous vos sapins là, les idoles dans les maisons là, les posters, tout ça là, où les gens mettent les photos de Jésus alors que Jésus n'est pas blanc. Oh, c'est la folie tout ça là. Il faut brûler ça, toi qui as ça chez toi là. Retire toute l'idolâtrie chez toi là, toutes les photos de Jésus chez toi là, retire ça. C'est pas comme ça qu'il était. Il n'y a pas de photographe à son époque. Ça s'appelle l'idolâtrie tout ça là. Elles ne sont que vanité, une œuvre de tromperie. Tous les idoles que vous priez là, les idoles. Il faut couper ça chez toi là, c'est la tromperie. Tous les croix que tu as dans ton cou là. On voit des gens, ils disent, oh moi j'ai la croix. Tu dis à quelqu'un, tu crois en Jésus, oh j'ai la croix. Retire ta croix, Jésus n'est plus sur ta croix là. Il n'est plus dessus. C'est un objet de malédiction. Il n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Et la croix là, c'est qui l'a fait? C'est la main de l'homme, c'est du ferraille. Donc ta foi là, elle est nulle par rapport à ça. On doit avoir la foi au nom de Jésus. Voyez? Elles périront au temps de leur châtiment. Voyez, tout ça va périr, tout ça là. Tout ça là va s'écrouler, ce sera un carnage. Celui qui est la portion de Jacob n'est pas comme ces choses-là. Car celui qui a tout formé, Israël, est la tribu de son héritage. Son nom est Yahweh. Voyez? Toi qui es assise dans la détresse, emporte de la terre tes paquets. Car ainsi parle Yahweh. Voici cette fois, je vais lancer comme avec une fronde les habitants de la terre. Je vais les mettre à l'étroit, afin qu'on les atteigne. Malheur à moi, à cause de ma ruine, ma plaie est douloureuse. Et je me disais, oui, c'est la maladie, et je la supporterai. Vous voyez, on va finir par là. Ma tente est dévastée, tous mes cordages sont rompus. Mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus là. Il n'y a plus personne qui dresse ma tente, qui relève mes pavillons. Car les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché Yahweh. C'est pour cela qu'ils n'ont pas réussi. Et que tout leur troupeau s'éparpille. Oh là là. Vous voyez, les bergers ont été stupides. Et les bergers, c'est qui? Ben, c'est tous les pasteurs, les prophètes aujourd'hui là. Et ben, ils ont été stupides. Ils n'ont pas mis la parole en pratique. Ils n'ont pas su prêcher aussi Yeshua aux hommes. La vérité aux hommes et femmes qui pouvaient les suivre, les écouter plutôt. Et il s'est passé quoi? Ben, regarde. Ils se sont éparpillés. Voyez? Éparpillés. C'est-à-dire que ceux qu'on prêche, la parole que les prédicateurs prêchent, que nous prêchons, que les prédicateurs prêchent, les enfants du Seigneur prêchent, voilà, les chrétiens prêchent, on est en Yeshua, on est tous prédicateurs, tous les enfants du Seigneur prêchent. Eh bien, ceux qu'on prêche doivent bâtir le Seigneur dans nos cœurs, doivent, emmener les gens, les frères, les hommes qui écoutent, ou les femmes qui écoutent, à connaître Jésus, à rencontrer Jésus. Alléluia. Voyez, on était où là? Voilà, verset 21, verset 22 là maintenant. Un bruit, une rumeur, voici qu'elle vient. C'est un grand tremblement qui vient de la terre, du nord, pour faire des villes de Yehuda, un désert, un repère de dragons. Yahweh, je sais que la voix de l'être humain ne dépend pas de lui et qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de diriger ses pas. Yahweh, châtie-moi dans une juste mesure et non dans ta colère, de peur que tu ne me réduises à rien. Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les familles qui n'invoquent pas ton nom, car ils dévorent Jacob. Ils le dévorent et le consument. Ils mettent en désolation son agréable demeure. Alléluia. Que le Seigneur soit béni encore pour ce temps de partage. Vous pouvez le partager à vos familles. Voilà, qui sont encore dans les fêtes de ce monde, qui se disent chrétiens. Et on va vous faire défiler un ou deux chants.
Voilà. Et pendant que ça défile, le chant, s'il y en a qui veulent prendre leur baptême ou se repentir de leur péché, vous pouvez le dire sur le chat ou envoyer un mail sur contact@evdn.org. On va le mettre, tout ça va apparaître sur le chat là, l'adresse mail. Et donc voilà, et voilà pour tous, pour les baptêmes, tout ça, on va voir comment on peut s'organiser. Et donc voilà, que le Seigneur soit béni et glorifié aussi. Et s'il y a quelques questions, ben, posez-les sur le chat là pendant que les chants passent. Si on a le temps, on y répondra. Si on n'a pas le temps, on verra pour répondre par mail si c'est possible. Donc voilà, que le Seigneur soit glorifié. Et si le Seigneur permet, au mois de janvier, on sera en Guadeloupe, hein, pour la mission de Guadeloupe. Et donc voilà, ceux qui ont à cœur de soutenir cette mission, vous pouvez le faire sous notre dans la prière premièrement et matériellement, vous pouvez le faire sur notre site. On va le mettre en dessous là, le lien. Et donc voilà, pour la mission, et voilà, c'est important de propager l'évangile. C'est la mission première qu'on a reçue, hein, c'est d'aller et faire des nations des disciples. En gros, l'évangile doit être prêché, malgré que on veut fermer nos bouches, mais il faut la propager, la parole. Vous voyez, c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui libère les hommes. Donc on ne doit pas diluer la parole, on ne doit pas... voilà, c'est l'évangile premièrement qu'on doit annoncer aux hommes, au peuple, aux nations. C'est l'évangile qui sauve, c'est l'évangile qui donne le salut. Vous voyez? Donc voilà mes frères et sœurs. Et donc voilà, que le Seigneur soit glorifié, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous pardonne si on a fait du mal à quelqu'un. Et vraiment, priez pour nous et pour qu'on puisse continuer à faire ce travail. Jusqu'au retour du Seigneur, hein, jusqu'à son retour là, qu'on puisse continuer à crier, qu'on, voilà, au nom puissant de Yeshua, et que à travers cela, ben, que d'autres personnes se lèvent aussi pour crier, parler du Seigneur, aller voir les âmes, tout ça, et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est pas réservé qu'à nous, c'est réservé au corps de se lever. Et ouais, il faut se lever, voilà. On peut partager la parole, on peut suivre ce qu'on dit, mais chacun doit se lever aussi de son côté pour faire le travail, parce que le Seigneur n'appelle pas, il appelle son Église en vérité, hein, et tu es son Église. Donc si tu crains le Seigneur, ben, demande au Seigneur qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ton royaume, Seigneur, et il te dira quoi faire, et ne te précipite surtout pas, ne fais rien par précipitation, ne fais rien pour ressembler à quelqu'un, ou je sais pas, parce que le problème de l'homme, c'est comme ça qu'il est aussi. Donc il faut tout faire selon le poids que le Seigneur te mettra dans ton cœur, en fait, en vérité. Et oui, la parenthèse que je voulais ouvrir, c'est obéis au Seigneur. Fais tout ce que le Seigneur te dira de faire. Voilà. Parce qu'il compte sur nous. Et parfois, ben, on peut être découragé, on peut voilà, recevoir des découragements, tout ça, mais il faut continuer. Là où tu es, dans le pays que tu es, je ne sais pas où tu es. Mais attache-toi au Seigneur véritablement et fais ce qu'il te dira de faire dans la simplicité, simplement, et ne va ni trop vite, tout ça, ne sois pas pressé, mais fais simplement ce qu'il demande de faire et son nom soit glorifié. Alléluia, à bientôt mes frères et sœurs, que le Seigneur soit glorifié au nom puissant de Yeshua. On vous laisse passer les deux, un ou deux chants là. Thank you.
Thank you.
Thank you.